Bienvenue, chers internautes. Aujourd'hui, on va faire donc une recherche pour mieux identifier ce que sont ces maladies, la presbytie et la myopie. On va faire des recherches simples, comme tout un chacun a l'habitude de faire sur Internet. On va identifier ces maladies et voir les solutions qui sont proposées par la science médicale traditionnelle. Mais aussi, on va essayer de s'orienter au fur et à mesure vers d'autres recherches qui ont été faites par des indépendants, voire peut-être des youtubeurs, afin ensuite de peut-être avoir une solution toute personnelle, très proche des capacités de l'être humain, à savoir ses propres capacités à se régénérer la vision. Allez, je vous propose tout de suite de faire une recherche sur un moteur de recherche qui n'est pas forcément très connu de tout le monde, qu'on appelle DuckDuckGo, qui est accessible et gratuit, n'importe où, sur n'importe quelle application. Et vous pouvez d'ailleurs le télécharger directement sur vos mobiles. La petite avantage, c'est qu'ils sont un peu plus respectueux par rapport à Google de vos informations que vous laissez, notamment sur sa première page d'accueil. On peut descendre sur la rubrique où vous pouvez installer le logiciel DuckDuckGo sur votre application. Mais on note quand même qu'il est assez protecteur de la vie privée sur tous les appareils sur lequel vous l'installez. Eh bien, c'est parti. Cherchons, grâce à la barre de recherche, le mot presby avec un Y, T-I-E. Presbytie. Le petit avantage, c'est que les définitions les plus courantes sont placées en haut de cette recherche et on a tout de suite une définition. La presbytie du mot grec presbys, en grec, qui signifie vieil homme ou ancien, est un trouble de la vision qui rend difficile la focalisation de la vue pour lire ou pour effectuer un travail de près. Donc, presbytie serait simplement un trouble visuel pour voir de près ou travailler sur quelque chose de rapproché par rapport à votre vue. Quand on dit de près, c'est entre 30, 40, 45 cm par rapport à votre visage. Bien. Il existe forcément des vidéos qui sont très démonstratifs. On va en profiter. Alors, en cliquant sur la vidéo qui a été trouvée, on voit la presbytie. Qu'est-ce que c'est? Ça dure 1 minute 57. Profitons-en. Je vous sollicite pour essayer d'aller vous-même cliquer sur le lien pour le lire plus aisément avec votre interface. Le cristallin est une lentille transparente, biconvexe d'environ 4 mm d'épaisseur et 12 mm de diamètre. Il est situé juste derrière l'iris, dans l'axe de la pupille. On peut comparer le globe oculaire à un appareil photo. Quand on appuie sur le déclencheur, la lumière passe au travers des lentilles de l'objectif et se focalise sur la pellicule. De la même façon, la lentille de l'œil, c'est le cristallin. Il est parfaitement transparent et permet à la lumière de passer. Normalement, les rayons lumineux sont focalisés par la cornée et le cristallin sur une fine couche de cellules sensibles appelée rétine. C'est elle qui décode l'image et l'envoie au cerveau. Pour que l'image se forme précisément sur la rétine, le cristallin est capable de modifier sa courbure. Il fait ainsi converger les rayons de la lumière sur la rétine, quelle que soit la distance à laquelle se trouvent les objets. C'est ce qu'on appelle l'accommodation, c'est-à-dire la possibilité de voir net que l'objet soit proche ou lointain. Avec l'âge, l'œil devient moins performant et la qualité de la vue s'amenuise. C'est vers 45 ans en moyenne que le cristallin perd peu à peu sa souplesse, son élasticité et sa capacité à modifier sa courbure. L'accommodation est alors moins efficace et la vision des objets rapprochés ou des détails devient difficile. C'est ce phénomène que l'on nomme presbytie. Elle concerne indifféremment tous les individus, y compris ceux qui avaient une excellente vue jusqu'alors. Au début de la presbytie, ce sont les petits caractères qui deviennent difficiles à déchiffrer. À ce stade, on peut compenser en reculant les documents à lire ou en augmentant la lumière. Mais progressivement, les bras ne sont plus assez longs pour éloigner suffisamment les documents. À ce stade, des lunettes de lecture multifocale ou des lentilles de contact permettent de corriger la vue pour voir les objets de près. Voilà, bien, c'était notre première approche de la presbytie. Revenons sur le moteur de recherche et passons à la myopie. On fait exactement le même processus de recherche. Myo avec un Y, pi. Ici à droite, la définition. Une myopie est un trouble de la vision dont le symptôme principal pour le sujet est de voir flou
au loin. L'image d'un point n'est plus faite correctement avec une mise au point, mais c'est une tache sur la rétine. La perception d'un objet éloigné devient brouillée, telle qu'une silhouette ou des couleurs dont les contours ne sont plus du tout nets. Bien. Voyons ce que l'on peut retrouver encore une fois sur Internet et passons à des recherches sur YouTube, puisque c'est la mode. Et tapons le mot myopie. Bien. Une multitude de vidéos sont possibles, mais je vais vous amener vers une vidéo que j'ai trouvée assez simple, qui permet en plus d'avoir un dialogue entre des interlocuteurs. Bien, nous avons ici cette vidéo que je vais vous mettre en lien en description. Vous pourrez cliquer et regarder ou faire votre propre recherche pour voir toutes d'autres vidéos. Mais suivons celle-ci pour voir ce qu'il est dit. Sommes-nous condamnés à la myopie ? La population qui peut être touchée par ce défaut visuel, c'est le défaut visuel le plus répandu. D'abord, c'est quoi la myopie, Céline ? De manière générale, la myopie, c'est lorsque l'on a un œil trop long. Un œil trop long. Je pense qu'il y avait une petite photo qui va bientôt passer. Clara ! Voilà, non, en fait... donc on voit l'œil normal et puis l'œil myope. Les myopes, en fait, ont des troubles au niveau de la vision de loin. Alors, pardon, moi je suis pas myope, mais là je piche pas la différence. Au niveau. Caroline, en fait. Aidez-nous là. Attends, elle va se mettre à côté. Allez-y, mettez-vous à côté et faites-nous la description. Sur un œil normal, l'image de la bougie est au point sur la rétine. Ouais. Hein, une longueur normale. D'accord. Et là, on a un œil trop long, de telle sorte que l'image se fait en avant de la rétine. D'accord. Et ce qui arrive sur la rétine, qu'on peut prolonger ici, sera flou. D'accord, voilà. C'est trop long. Tout simplement. Allez, je récupère le micro. Mais on ne voit pas forcément bien de loin. D'accord. C'est donc un œil trop long. Est-ce que ça peut être héréditaire ? Oui. D'accord. C'est la première question. C'est héréditaire, c'est ça ? Non, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs causes. Donc, effectivement, il y a des familles de myopes. Donc, on peut retrouver différents gènes au niveau de cette pathologie. Si ce n'est pas héréditaire, quelles peuvent être les causes d'une myopie ? Est-ce que c'est mécanique, un phénomène mécanique ou c'est naturel ? Environnemental. Environnemental. La myopie héréditaire, c'est seulement 3%. Tout le reste est environnemental. Donc, c'est important quand même. Voilà. Donc ce sont nos habitudes de travail en vision de près, en privilégiant la vision de près dès le plus jeune âge, d'avoir des profondeurs de champ limitées, hein, soit sur lecture, tablette, smartphone, ordinateur, qui sont par exemple un smartphone 20 cm, 30 cm pour une tablette, 50 pour un ordinateur. Et donc de privilégier cette vision de près, fait en sorte que l'œil ne sait plus regarder de loin. C'est assez grossier comme explication. Il est habitué à regarder de près, il n'a plus de profondeur de champ, il n'est plus habitué à regarder de loin, il ne sait plus regarder de loin, ce qui est la définition de la myopie. Il y a une étude qui a été faite en 2015 en Chine. Vous savez que là-bas en Chine, la réussite scolaire est vraiment primordiale. Ils ont fait deux types de classes, une classe qui n'a pas pris très peu de cours de récréation dans la journée, et une autre classe avec laquelle ils ont forcé les enfants à prendre quasiment une heure de récré au soleil pour s'aérer. Au bout de 3 ans, ils se sont aperçus que la classe qui n'était pas sortie, il y avait 40% d'élèves de cette classe qui sont devenus complètement myopes, et les autres, moins de 10%, ont eu des problèmes de myopie, mais liés peut-être au phénomène héréditaire, parce que simplement ils ont pris l'air et qu'ils ont été baignés de soleil. Non, lumière, en tout cas. En fait, il y a phénomène héréditaire, 3%. Ensuite, environnemental, la vision de près accrue, et deuxième point, l'éclairage naturel. Ouais. C'est là qu'intervient votre étude. Et l'éclairage naturel favorise la production d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine dans la rétine, qui empêche l'œil de grandir. Donc ça freine la myopie. Donc il faut sortir, il faut arrêter d'être enfermé. Et effectivement, dans le sud-est asiatique, on a 89% de myopie, où il y a une pression pour une réussite accrue. Ils ont allongé les récréations, éclairé les salles de classe, forcé les enfants à faire du sport collectif, et leurs statistiques sont retombées. Est-ce que ce phénomène du sud-est asiatique n'est pas en train de se déplacer vers chez nous, justement, avec la multiplication des écrans, et le fait de, peut-être pour nos régions aussi un peu plus du nord, avoir moins de lumière peut-être aussi. Est-ce qu'on peut être concerné par ce problème-là ? On est totalement concerné par ce problème-là. Il faut savoir qu'au niveau éclairage, même parlons de ce qu'on connaît, à midi nuageux, on va avoir 13 000 lux. Oui. Et dans un bureau très actif, 500 lux. D'accord. D'éclairage. 100 000 lux pour un soleil direct. Donc même s'il fait nuageux, même si on habite dans des régions peu ensoleillées, il y a plus de lumière à l'extérieur
qui favorisent la dopamine et qui aussi permettent de ne plus avoir le nez sur sa tablette. Et... On est plus myope dans le nord que dans le sud. Ça dépend si on sort moins dans le nord que dans le sud. Oui. Ah, en Australie, ils sont moins myopes. Effectivement, ils font beaucoup de surf. Comment est-ce qu'on peut soigner mécaniquement la myopie? Est-ce qu'il y a des opérations? Est-ce qu'il y a le port des lunettes est obligatoire? Ça ne veut pas dire d'ailleurs, puisqu'on porte des lunettes, qu'on est myope. Moi, je ne suis pas myope, mais j'ai quand même des lunettes. C'est un œil trop long, il faut le raccourcir. Ouais. Alors, par des verres concaves, ce sont les lunettes, par des lentilles concaves, lentilles de contact. Il y a les orthokératoprothèses qui sont des lentilles qu'on porte la nuit et qui aplatissent l'œil, qui rééduquent. De telle sorte qu'on voit net le jour et on recommence la nuit suivante. Puis après, il y a la chirurgie de la myopie qui permet de raccourcir l'œil aussi et qu'on pratique seulement sur une myopie stabilisée, bien sûr. Dernière question avant d'aller voir Anne-Sophie et les questions que vous nous avez posées sur Facebook et par mail. Comment est-ce qu'on détecte tout simplement qu'on est myope? C'est juste parce qu'on lit flou, par exemple. On voit, je sais pas si j'ai des feuilles sous les yeux, je loue. Normalement, on fait quand même un examen ophtalmo. Donc, quand on est petit, on voit mal de loin. Pas de près. Donc, lisez par exemple tout simplement une plaque d'immatriculation. Vous étiez tout à l'heure en train de dire ça. Enfin voilà, si on voit pas de loin. C'est un enfant qui se plaint de pas bien voir au tableau. Et puis, tu peux rentrer avec les yeux un petit peu fatigués. Et si on lui fait lire une plaque d'immatriculation, ça c'est un test facile à faire par les parents. Mais là ou pas, très bien. Bon, en gros, si vous êtes devant votre télé là maintenant et que vous ne voyez pas, vous ne voyez flou. Tout dépend à quelle distance vous voyez la télé. C'est globalement, il y a un problème de myopie. Eh bien voilà. Donc, on a pu identifier, d'après les descriptions qui ont été faites par ces personnes, ce qu'est la myopie, un trouble visuel sur une longue portée, mais par contre une bonne vision à courte portée, à l'inverse de la presbytie. Et ce que j'ai entendu, moi, dans ce discours, était il y avait donc un souci, globalement, de lumière, et qu'il n'y en avait pas suffisamment dans les lieux de vie et de travail des personnes qui souffraient de la myopie. Et que, pour éviter que l'œil fasse une sorte de distorsion et s'allonge au point de défocaliser en fait, la mise au point des détails de la vue, il faut une dopamine qui est produite par l'organisme, mais qui va s'écouler à un moment donné. Mais rien n'a été dit sur comment apparaît la dopamine dans son documentaire. Bien. Alors, j'ai fait des recherches, notamment sur ce qui a été dit. Quelle est cette fameuse étude faite en France, mais en Asie, et qui a essayé d'établir le lien entre la causalité de manque de lumière et cette maladie de la myopie. Alors, elle existe, elle a été faite sur Internet, que vous pouvez même louer ce documentaire qui a été fait par Arte, la télévision Arte, et c'est une vidéo qui est maintenant en location, que je vais vous donner en description pour pouvoir cliquer dessus et peut-être vous abonner pour visualiser cette vidéo plus tard. J'ai notamment retrouvé cette vidéo gratuite, cette fois-ci, mais sur un autre média qui est le site internet Odyssée, qui est le concurrent direct de YouTube. Profitez du lien que je vous propose pour aller voir ce documentaire vidéo proposé par Arte, qui est donc soit en location sur la boutique d'Arte, soit gratuite sur Odyssée. Profitez-en pour voir sur Odyssée, je ne sais pas combien de temps ce sera gratuit. Ceci dit, je vous propose pour la prochaine fois de parler de ce qui est vu dans le documentaire Arte. Et je vous dis à très bientôt.